Hello! Tu iras dîner à Yassine d'avant? On va chercher la meilleure resaza du Maroc. On est au Ksar Kbir, chez nous au Ksar Kbir. Et là, on s'est dit, on va chercher la resaza parce que la mère à Yassine, elle en veut. Parce que la meilleure, c'est ici, c'est au Ksar Kbir la meilleure. C'est au Ksar Kbir. Donc là, vous reconnaissez les portes du bled. On y va. Allez. Allez, on ferme la porte et on y va. يستا ابخي ابخي انت معون جيب ياسين جامع راسه بصويكو لا انا سور لا روت سور لا بتيت روت ليش كندير هاد الصوت زعما كندير هذيك الصوت ديال يوتيوبر يوتيوبر سالي سوزي ايز اون بيني فريمون ا كوتي ديال القنطره اون فا فوار تو سكي فور ان فيت كايبو يبي Regarde là comment on fait, comment je fais pour passer. Agricole. Regarde comment je fais là pour passer. En fait, il faut qu'on tourne à gauche, regarde. Tu viens là, tu viens moi là, taxi. Bon, déjà, attention. Taxi, derrière, c'est quand même un délire. Et en fait, là, t'as du monde qui vient de droite, de gauche. Et j'ai quelqu'un qui va me klaxonner derrière, tu vois. Regarde. Taxi, voilà, mais tu vas voir. Regarde. Et là, tu fais ça, et hop. Oui. Rahmine le taxi. Ma vraie chez Chmique. Allez. Et là tu passes. Oui. Moi je pourrais pas conduire là. Par exemple là je pèterais un câble. C'est là la première fois que je suis arrivée en voiture. J'ai vu oui. Qui en dire là? Attention c'est un dedans. Monsieur, madame, ça vous coûte pas cher de mettre un feu rouge là. Franchement quand tu roules, tu sais. Des fois, t'as envie de prendre la voiture, faire les virages et tout. Franchement, ici, c'est tous les jours. Tu prends direct, t'es dans un Mario Kart. Ouais, c'est vrai. Par contre, au son, ça va pas de zazen. Oui, c'est un caravane de Damas. Non. Si, c'est un mobile. Ils sont là, en fait, à côté de la Qantara. Et ça c'est sur Ksebta, par là. Et c'est qui garé. Attends, parce que à chaque fois je me garde très mal parce que leur trottoir. Vas-y, je te dis. Et moi j'y peux. Je te dis, vas-y. Arrête-toi, là tu peux le mettre droit. Ça y est. Parce que c'est bon, le trottoir. Attention, hein. Allez. Le truc du centre-ville d'ici, c'est qu'il faut faire attention au téléphone parce qu'ils te les arrachent vite. Du coup, je vais faire attention. Je vais filmer, mais je dois faire attention. Donc, s'il y a des mauvais angles, c'est normal. Ça dit quoi? J'aime bien le téléphone. T'inquiète pas. C'est elle qui t'a dit ton père, non? Yeah, mais oui. Et voilà. Ah, il y a la raison de l'Aqsa. احسن رزازه في المغرب كامل شوفي ليش معاكي الله يعطيك الصحه اجي قول اجي مزيانه بعد هي ها 95 نمره ديالي انت صورتي لي فانسي قال لي سير عندي 95 عاد شوف انا في القصر كبير فو دوبي عليه دان سيت تريك لا 0.95 سي لي ميور Elle est très 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 bien cette femme. Jusqu'au dernier moment, on allait repartir et j'ai convaincu Yassine pour prendre un petit asser. On va vous montrer, Leïla, en fait, elle prend l'asser chez un mec. Chez un mec que je connais depuis des années. Depuis que je suis toute petite. Et je vais chez lui, en fait. On va voir s'il fait des. S'il est là ce matin, bah, t'as déjà. Normalement, qu'est-ce qu'il fait ce soir? Qu'il n'a pas de ce soir? Ça, c'est. Leïla, là, il y a un TikToker. Ouais, un TikToker connu là-bas. Et quand je l'avais vu sur TikTok, j'avais dit, tu sais, cet endroit-là, ça me dit quelque chose.
Il m'a dit ah bon, et je dis ouais. Et en fait c'est ça. Et ça c'est le centre, l'épicentre de Ksar el-Kbir en fait. C'est ici qu'il y a tous les magasins, il y a tout. Tout le monde se concentre ici. T'as Dheb là-bas. Il y a un espace que Dheb vers là-bas. Après tout ce qui est sac, tout ça, sport là. Là-bas il y a aussi tout ce qui est réparation de téléphone et tout. En fait il y a tout au Galle Qessarif, ils sont là. Oui voilà. Tout est mjmou ici, c'est vraiment l'épicentre de tout. Et là il y a Ashab al-Asr. Si, Moul Asr. Où on va tout le temps. Il est là le monsieur. Ah là on a pris l'Asr. Le monsieur il est pas là mais celui qui travaille avec lui, il est là. Là il va Yassine, je voudrais te demander toi Yassine. Je vous demandais ici. Il y a tout ça, il y a du citron vert, il y a du gingembre, de l'orange et de la canne à sucre. Voilà, il va tout lui faire maintenant. Et voilà, en fait il met tout ça là-dedans, là. Bon, après c'est des poubelles. Il met tout ce qu'il faut. Et là la peur des abeilles et tout. Oui, il y a une guêpe. Montre le tien. Il est trop bon. Il est trop bon. Il n'y a que lui que je fais confiance. Il est certifié par la street. Franchement, on a fait très vite. Hein. Il est trop bon. Voilà, il est frais. Il descend là, il glisse. Mais par contre, je vous dis qu'aujourd'hui il fait chaud. C'est que vraiment. Oh, là, je transpire. C'est affolant. Je ne sais pas combien de temps. Du coup, là, on va rentrer à la maison. On va se préparer pour. Rentrer à Rabat. Oh, par contre, on va s'arrêter à un endroit. Bah, tout le monde va nous critiquer, mais on vous montrera après. Restez à l'affût. Restez à l'affût. Moi, je suis monté pour acheter, démarrer la voiture. Et là, il s'est arrêté là-bas pour acheter je sais pas quoi. Qu'est-ce que t'as acheté encore? Pourquoi ça? Pourquoi celui-là? Il est beau. Regarde ce qu'elle a acheté. C'est pour un cadeau. Voilà, c'est juste pour un cadeau. Pour quelqu'un qui aime trop la Jamaïque. Il va voir le vlog, il va se dire bon de battre. On vient de calculer combien ça fait Rzeza parce que ça nous a coûté 75 dirhams, 5 kilos. 5 kilos, ouais. Donc 5 kilos. Donc ça fait en gros 15 ça dirhams fait le kilo, ouais. 15 dirhams le kilo. Ce qui fait à peu près 1,50€ le kilo. Même pas. Franchement, c'est pas cher parce qu'à l'époque. À l'époque, c'était déjà 15 dirhams le kilo. Ouais, il y a un bain. Ça veut dire que malgré. La hausse de prix et tout, parce qu'ici ça a monté les prix, les pauvres ils sont en galère aussi. Mais même comme ça, elle a laissé les mêmes prix. Ouais, franchement. Ouais, ça va. Après, ils sont, franchement, c'est la spécialité de l'Aqsa. Ouais, c'est vraiment la spécialité d'ici. Eux ils savent très très bien la faire. Mais vraiment, dinguerie. Et ne vous inquiétez pas, dans une prochaine vidéo. On va vous montrer qu'est-ce qu'on va en faire. Comment nous préparer, etc. Bon, ou sinon, on vous montrera juste le résultat. Ouais. Ouais. Tout dépend. Ouais, voilà. Peut-être qu'on vous montrera juste le résultat. Inch'Allah, ouais. Soyez à l'affût. Et abonnez-vous, likez, tout ça. Hein, n'oubliez ouais, pas. Ouais, voilà. Et restez, parce qu'on va vous montrer un truc après. C'est la seule ville, je crois, du Maroc que tu trouves encore des caballos qui roulent avec les voitures. Et tu trouves des carrossades comme ça, vraiment. Non, c'est pas la seule ville. Hein. Non, mais c'est une des. Ah oui, c'est vrai que c'est la ville carrément parce que. C'est la ville à Rachid. Ça y est. Là, on est dans la voiture. On roule direction droite. Au 42 degrés là. Ouais, il fait trop chaud. 15 degrés là. Très très chaud, heureusement qu'on a la clim parce que vraiment échec. Je fais la star avec mes lunettes de soleil, et moi aussi, avec mes lunettes, comment on dit, des lunettes de beau gosse, non, des aviateurs, non, mais je sais pas, je sais pas, mais allez, je suis venu ou pas, elles sont belles ou pas, et on a les pechou qui dort. Le pichu qui dort. Parce que je crois qu'il y a le pichu dans l'autre voiture aussi qui dort. Ouais. Et il y a ma soeur derrière qui nous attend, qui nous suit qui aussi. Comme ça, on va tous ensemble. On fait une partie de la route ensemble et après, ils vont continuer, nous, on va s'arrêter. Voilà. Cette année, il n'y a que de la famille en fait sur la route. Entre-temps, je vais faire l'autre vidéo où je réponds aux questions. Et voilà,
poste, on est arrivé à Canetra et qu'est-ce qu'on va faire ici? Ben regardez où est-ce qu'on va aller. Et voilà où est-ce qu'on est arrivé. Il y en a, ils vont s'énerver. Yacine, il y en a, ils vont s'énerver, non? Parce qu'on est là. Mais il veut bien manger, moi. Ah ouais. Non, c'est pas ça. On a des commentaires qui disent vous allez au bled ou vous mangez McDo? À fond. Vous devez manger des tagines. Eh ouais. Nous, on est contents quand même de goûter le McDo. Et que oui, Nora? Bien sûr. Leïla, elle hésite énormément à chaque fois. Amir et moi, ça a été simple. Il y a qu'Amir. Elle là. Moi, tu. Elle, c'est toujours pareil. On est heureux quand même. Et ici? On a commandé des wraps poulet Yacine, miel. C'est miel moutarde, c'est vrai. Miel moutarde, c'est son truc. Hein. À chaque fois qu'il vient au bled, il en prend. J'ai un truc qui a gonflé là, je sais pas c'est quoi. Coucou Halon, c'est ma soeur ici. Mon beau-frère ici. Et ouais. C'est arrivé. Amir, c'est bon mon chat? Ah, oui? Ah, c'est pas mal. Ça va 2,50€. Mais alors là, il y a. Ça va. Amen, va avec ça et tu lui dis Naksani El Fri. Voilà, là, il y a tout. Montre-nous le wrap. C'est ça que je kiffe. C'est le wrap poulet miel moutarde. C'est une dinguerie. Amir, il est là, il est refait. Oui, on regarde très mal, mais bon. Allez, psaht comme. Bon, là, on a fini. On laisse les petits jouer. On joue un peu et après. On va rentrer à la maison. Donc, la vidéo va s'arrêter ici. Il a failli s'échapper. Donc, la vidéo va s'arrêter ici. Et toujours, je lui dis, allumez la caméra. Mais Ben, elle est double menton. Il ne m'écoute pas. Allez, bon, la vidéo s'arrête là. Ouais. Du coup, à la prochaine. Cheers.